Là où la beauté de la nature se mêle à nos pas, une artiste extraordinaire émerge, donnant vie à des fragments oubliés. Rencontrez Laurie Madeleine, une visionnaire dont la quête pour préserver le caractère sacré de notre nature sauvage ne connaît pas de limites. Dans son dernier chef-d'œuvre, l'exposition resplendissante intitulée « Naturaliste », Laurie orchestre une symphonie de trésors récupérés. Au cœur de ses sculptures se trouvent des restes de semelles de chaussures, des traces que des randonneurs ont laissées derrière eux. Chaque pièce, méticuleusement fabriquée, redonne vie à ce que d'autres considéraient comme des déchets, les transformant en deux sculptures inspirées de cette nature qu'elle souhaite protéger. Je suis arrivée à l'île Maurice en 2019 et dès mon arrivée, en fait, j'étais assez ébahie par les paysages que j'ai rencontrés. Je marche beaucoup et je suis partie bien sûr sur les sentiers de randonnée mauriciens et à gravir les montagnes. Et à chaque fois que je marche et je randonne, j'ai toujours un carnet de croquis à la main parce que je fais des croquis in situ. Et j'observe le territoire, c'est une contemplation active du territoire. Donc souvent, en haut des montagnes, je dessine l'environnement qui m'entoure. Et au fur et à mesure, en fait, dans chaque randonnée, je ramassais les objets que je trouvais, les déchets qui étaient abandonnés sur ces sentiers. Ça allait de bouteilles en plastique à canettes, bouchons, ce genre de choses. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser comme support de création les déchets que je trouve et remplacer mon carnet de croquis par ces déchets-là. Donc j'ai commencé par dessiner sur les déchets, donc sur des petits bouchons, sur tout un tas d'éléments que j'ai trouvés au hasard de mes rencontres et de mon chemin, les paysages que je voyais. Plus j'ai exploré le territoire, plus je me suis aperçue que je retrouvais beaucoup de morceaux de semelles de chaussures. Et c'est là tout le travail que je fais actuellement depuis 2 ans, où je récolte sur les sentiers tous les morceaux de semelles, les fragments de semelles laissés par l'explorateur qui est passé avant moi. C'est des empreintes involontaires laissées par celui qui est passé par là et qui se retrouve abandonné sur le sol. Donc je les enlève et ensuite maintenant je dessine encore dessus, mais je peins dessus, mais je réalise aussi des sculptures, donc parce que la matière est vraiment une matière intéressante et inspirante pour créer des sculptures en mural et des sculptures 3D. Votre passion que vous avez pour l'art, mais aussi pour l'environnement surtout, cette envie de montrer l'impact que les humains ils laissent derrière eux, parlez-nous un peu de ça. Alors effectivement, je suis très sensibilisée à la cause environnementale, à la préservation de la nature et justement quand je
Quand je ramasse ces déchets, en fait, au début, c'était vraiment un acte écologique, pas du tout artistique. Je l'ai ensuite apporté dans ma pratique artistique parce que ça m'a semblé évident pour pouvoir sensibiliser justement sur les déchets qu'on laisse, créer quelque chose d'autre avec ce qu'on laisse sur le territoire et que ça devienne plus seulement un objet à jeter, mais que ça devienne œuvre ou que ça permette de modifier un peu le regard qu'on a sur ce qu'on peut laisser dans la nature de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs. Et aussi, en fait, j'aime bien l'idée que le déchet vienne valoriser le territoire. Dans les peintures que je fais, en fait, je fais aussi des grands formats où j'y insère des semelles et je peins autour. J'utilise la semelle comme support et comme élément pour graver le papier aussi. C'est voilà, utiliser en fait le déchet autrement et ouvrir des possibles artistiques sur l'environnement et sa préservation. À vous entendre parler, on réalise que en fait tout ce que nous laissons derrière quand on passe quelque part, c'est le résultat de la surconsommation. Peut-être des bouteilles qu'on jette, des gobelets qu'on jette, même les semelles on achète, on porte les chaussures et ça se casse, on oublie, on achète un autre. Quelle est votre opinion dessus, sur cette société qui consomme beaucoup ? Ben, en fait, avec ce que je fais, c'est un peu, oui, je dénonce un peu ça, ou en tout cas la surconsommation, l'utilisation notamment du plastique. En fait, souvent, c'est sur le plastique que je peins ou que j'utilise l'objet pour créer des sculptures. Et ce qui est assez fou avec ce plastique-là, et notamment avec les semelles, c'est que c'est des formes organiques. Donc qui se mêlent très très bien avec les feuilles, le feuillage qui est au sol, les pierres, la boue et tout ce genre de choses. Et on s'en rend même plus compte. Et c'est ce que je trouve intéressant dans les fragments de semelles parce que ce ne sont même pas des choses volontaires qu'on jette derrière nous. Ce n'est pas un pique-nique qu'on a fait, on jette les verres et on laisse ça de manière volontaire. C'est vraiment... Celui qui va randonner, celui qui va courir sur les montagnes, c'est quelqu'un qui aime la nature normalement et qui veut la préserver, ou en tout cas qui aime l'admirer et donc qui a envie de continuer à l'admirer, admirer ses beaux paysages. Et là, le fait qu'on puisse même involontairement laisser une trace, et une trace plastique, donc une trace qui pollue et qui fait du mal au territoire, sans qu'on s'en rende compte, en fait, ça pointe un peu sur malgré tous les efforts qu'on fait, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et parce qu'on vit dans des sociétés de surconsommation et où il y a beaucoup de production plastique et d'utilisation d'éléments qui ne sont pas recyclables et qui polluent les sols, on est contraint aussi d'utiliser des chaussures. Enfin, en tout cas, c'est la norme d'utiliser nos chaussures et tout ça. C'est plutôt sur la fabrication même de la chaussure, sur les marques qui fabriquent les chaussures. Je vois qu'il y a beaucoup de marques qui reviennent, par exemple, sur les morceaux que je récolte, parce que c'est aussi quelque chose de volontaire, que les chaussures tiennent pas très longtemps, par exemple, et qu'elles se cassent vite pour qu'on puisse en racheter. Et à regarder votre atelier, on voit que vous avez collecté quand même pas mal de petits bouts de semelles, de semelles entières, de chaussures. La Laurie qui était arrivée en 2019 à l'île Maurice, elle aurait pensé quoi en voyant cet atelier, en voyant votre travail surtout ? Comme ma pratique artistique a évolué depuis mon arrivée parce que c'est très contextuel la manière dont je crée, le territoire est important pour moi. De manière générale, j'ai beaucoup voyagé, c'est dans mon processus créatif, et j'utilise vraiment les éléments du territoire pour créer
des projets, ou en tout cas, c'est l'environnement dans lequel j'évolue qui m'inspire. Donc en 2019, je ne savais pas que j'allais trouver autant d'inspiration sur les sentiers de randonnée et autant de matériaux de création sur ces sentiers-là. Et justement, quel impact est-ce que vous souhaiteriez que votre art ait sur la société? J'espère sensibiliser sur les traces qu'on laisse dans la nature, sur notre impact sur l'environnement, apporter des questionnements sur notre manière de consommer aussi peut-être, et sur notre rapport au territoire aussi, et ouvrir un peu la créativité en fait, et se dire ok, on a nos déchets, on produit des déchets, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on peut les valoriser, les embellir, les modifier et avoir voilà, créer autre chose autour de ça. Et oui, et en tout cas montrer que avec ce qui semble être des choses qu'on peut jeter, on peut créer des choses qui font réfléchir, des choses ludiques, jolies et qui embellissent notre quotidien. C'est un projet que j'ai initié il y a 2 ans. Où j'ai commencé vraiment à récolter toutes les semelles que je trouvais. Donc c'est vraiment au fil des randonnées et de mon regard qui se pose sur les fragments de semelles, parce qu'il peut y avoir des tout petits bouts de semelles qui sont presque invisibles parce que mélangés aux feuilles et tout ça. Et donc je ramasse ces semelles-là sur mon chemin, je les collecte, j'en trouve tout le temps. On trouve ça étrange souvent de voir ma collection de semelles parce qu'on se dit que c'est beaucoup, mais en fait à chaque randonnée, j'en trouve alors que je vais souvent sur le pouce, par exemple, j'y vais au moins 1 ou 2 fois par semaine. Chaque fois que j'y vais, je trouve des choses. Donc d'abord c'est ça, c'est je marche. Je récolte les semelles. Souvent, je fais des croquis sur les lieux, pas forcément sur les semelles, soit sur mon carnet, soit sur un autre objet, pour m'imprégner du territoire, pour m'imprégner des couleurs que je vois, puiser l'inspiration ici. Et puis, quand je redescends de ma montagne, je viens nettoyer les semelles. Et ça, c'est tout un travail aussi de nettoyage avec une brosse à dents, des petits cutters, des. Voilà, c'est un travail qui prend aussi du temps. Et ensuite, je les classifie. Je les classe en fonction de leur forme et de leur couleur. Ça me permet d'avoir ma matière première et de pouvoir avoir une vision d'ensemble de toutes les matières que j'ai. Et ensuite, ben, en fonction de ce que je trouve, c'est vraiment ce que j'aime aussi dans ce projet, c'est qu'il y a, il y a une part d'imprévu. Parce que je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Et il y a des morceaux de semelles, des fragments de semelles qui me paraissent devenir évidemment des ailes d'un papillon ou une antenne de libellule ou un œil d'un masque ou une montagne dans une peinture. Et c'est là où enfin, en tout cas, pour moi, c'est très stimulant parce qu'à la fois les formes que je trouve dans la nature et les formes que je trouve sur les objets que je ramasse, il y a une connexion qui se fait et la matière me parle un peu à travers la forme. Et aussi, en fait, ce que je trouve intéressant sur les matériaux, c'est qu'il y a toujours un motif. Le motif est toujours différent. Et je les trouve, il y a plein de morceaux que je trouve beaux, par exemple, et que je traite comme objets précieux, en fait, parce que c'est des beaux objets qu'on peut utiliser de différentes manières en les associant en faisant des sculptures et aussi dans les peintures en faisant des tampons, en faisant de la gravure sur le papier. Voilà, c'est vraiment. Il y a 1000 choses à faire avec un seul objet et c'est très inspirant. J'ai pas eu de gros stress de productivité à la fin du projet, juste avant l'exposition, puisque j'avais déjà beaucoup de pièces
qui était créé. Et c'était même assez beau de voir que tout prenait forme parce que j'ai dû encadrer les peintures, j'ai dû mettre sur socle les sculptures que j'avais imaginées et concevoir l'espace et l'idée de l'exposition en elle-même. Donc c'était plutôt assez excitant finalement de se dire que toutes les œuvres allaient se retrouver ensemble dans le même endroit et de créer l'atmosphère que je voulais faire, en tout cas transmettre dans cette exposition-là et avec les différentes pièces. Comment est-ce que les personnes qui sont passées, est-ce qu'ils ont réagi par rapport à toutes les pièces, de voir que ces semelles se sont transformées en insectes, en petits masques, en autres qu'on n'aurait pas pu imaginer? Justement, il y en a beaucoup qui m'ont dit j'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de fragments de semelles déjà dans la nature et à ramasser. Et on m'a beaucoup dit que j'aurais jamais imaginé faire ça avec ces fragments de semelles. Et ça m'a réjouie parce que je me suis dit que peut-être qu'ils porteront un regard différent aussi lors de leur randonnée ou de leur course sur ce qu'on peut ramasser sur le sentier et ce qu'on peut faire avec les semelles. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les visiteurs, de manière générale, quand ils découvrent les œuvres, ont le sourire. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point positif de cette exposition-là, parce que ça peut être des sujets un peu anxiogènes, ce qu'est la pollution et les traces qu'on laisse, et justement les déchets qu'on laisse sur notre passage. Et le fait de voir les sourires, parce qu'il y a des pièces qui sont un peu amusantes ou qui parlent plutôt du côté sensible et poétique. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de réjouissant pour moi de voir cette réaction-là auprès des visiteurs. Cette exposition-là, je le vois vraiment comme le début du projet, c'est la première fois que je montre les pièces avec les semelles. J'avais jamais montré ça dans aucune exposition avant, alors que ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et donc c'est vraiment la première étape où je fais découvrir mon travail et mes premières expérimentations et mes premières créations. Mais aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup d'autres idées de quoi faire avec ces semelles. Et puis surtout, j'en trouve tout le temps. Donc en fait, ça m'éveille l'imagination, ça éveille la créativité. Et le fait d'avoir expérimenté sur plusieurs supports, que ce soit la peinture, les sculptures murales ou les sculptures 3D, ça me donne envie d'expérimenter encore plus et d'aller plus loin dans cette expérimentation-là avec ce matériau-là. À regarder vos pièces d'art, vos sculptures, on réalise que tout ce que vous créez, ça a beaucoup par rapport avec la nature. Est-ce que c'est fait exprès? Alors oui, c'est fait exprès parce que déjà, c'est les matières que je trouve dans la nature. Et le projet que je suis en train de développer en ce moment, c'est vraiment un projet où je crée tout un univers naturel avec des objets créés par l'humain, façonnés par des machines. Et c'est aussi montrer toute cette contradiction entre le fait que ce soit des objets qui traduisent la nature, c'est-à-dire par des paysages, par des animaux, par des petites sculptures. Et en même temps, c'est des productions de l'homme et des industries avec le plastique, enfin voilà, c'est pas du tout naturel en fait. Donc j'aime bien cette opposition entre la nature et le manufacturer. Et en plus, je voulais créer tout un univers autour des montagnes de Maurice, puisque c'est là où je puise ma matière première à travers les semelles notamment et autres déchets. Et j'aime bien me dire qu'il y a que l'esprit des montagnes réapparaît à travers, par exemple, les sculptures murales que je fais avec les masques que je fais, et qu'il y a tout un univers parallèle qui se crée et une histoire en fait qui se crée. Et vous, en tant qu'amoureuse de la nature, passionnée par tout ce qui est la protection de l'environnement,
comment vous sentez-vous quand vous voyez que les sentiers qui sont censés être naturels, censés être mettre en valeur le paysage de l'île Maurice, que ça soit si pollué? Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur et c'est pour ça que j'ai commencé par ramasser les objets, parce que c'était vraiment un acte écologique, parce que ça, c'est vrai que j'ai une sensibilité à ce qu'on fait de notre nature, et j'ai vraiment un sentiment douloureux quand je vois des choses qui sont laissées dans la nature, même les décharges dans la nature, pas forcément sur les montagnes, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui est laissé, je me dis mais pourquoi, à quel moment on se dit que c'est la place de ces objets-là, et pourquoi on ne se dit pas ça va polluer les sols, et donc ça, de plus en plus, enfin, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'agriculture, c'est bon pour rien. Comme vous, il y a beaucoup d'autres artistes, vous les avez rencontrés justement à l'Aventure du Sucre, qui ont exposé le travail qu'ils font pour sensibiliser un peu les gens sur tout ce qui est la pollution, sur la surconsommation. Et quand vous réalisez qu'il y a aussi d'autres personnes comme vous, qui pensent comme vous, qui souhaitent faire une différence, ça vous fait comment ? Ça me fait plaisir, parce qu'en plus on travaille tous de manière différente, et c'est intéressant de voir qu'il y a plein de possibilités d'utilisation du déchet, ou en tout cas de sensibilisation à l'environnement. Et c'est en fait, ça communique, tous ces projets-là communiquent entre eux, et on communique entre nous à travers nos créations. Donc c'est très enrichissant de voir d'autres pratiques, et aussi très réjouissant de se rendre compte que c'est inspirant, et ça donne envie de travailler dessus et de créer des choses et de sensibiliser sur ces sujets-là. Et souvent, il y a les spectateurs sont assez impressionnés du fait que je dessine sur un tout petit objet, donc c'est d'abord ça qui les intrigue. Je résume le territoire et l'observation du territoire en quelques traits, donc c'est vraiment des tout petits... chaque trait est important. Je fais ça sur des mégots de cigarettes aussi, donc c'est vrai qu'un trait, ça évoque quelque chose. Donc il y a toujours... La première réflexion qu'on me fait, c'est ça, c'est « Waouh, mais t'as utilisé une loupe pour faire ça, comment t'as fait ?» Et puis après, il y a un deuxième regard de « Ah, mais c'est sur un mégot de cigarette, c'est sur un bouchon. » Et oui, et en fait, quand je discute, ou j'explique que c'est du dessin in situ, que c'est des choses que j'ai ramassées, j'ai pris l'objet et j'ai dessiné ce qui était autour de moi. Et on me dit souvent où on ramasse même les choses, et on me dit « Ah bah là, j'ai imaginé que tu pourrais faire quelque chose avec » ou ce genre de choses, et c'est intéressant. Et si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui vous regardent en ce moment par rapport à l'environnement, à la nature, à la protection, à la préservation, ce serait quoi ? Je ne veux pas être moralisatrice sur ce que je fais, et c'est pour ça que ce que j'aime utiliser, c'est des traces involontaires qu'on laisse, parce que je sais que malgré tous les efforts qu'on fait, moi-même la première, je peux être très sensibilisée à l'environnement. Je sais aussi que parfois ma manière de consommer, en fait, ce n'est pas forcément la bonne, mais on fait aussi avec l'environnement qui nous entoure. Et c'est pour ça que je crée autour de ça, parce que je veux pas donner une parole. J'aimerais que mes œuvres parlent d'elles-mêmes et que sensibilisent d'elles-mêmes sur une ouverture peut-être sur la créativité, par exemple, sur ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire autrement à travers l'art, à travers la création, de notre impact sur l'environnement. C'est ici que prend fin cet épisode de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.